Et rebonjour à tous. Rebonjour à tous, c'est Tactica Chroma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un cinquième épisode. Une petite heure devant moi avant que Stickhaus arrive et qu'on se mette ce Pokémon de rémunération. Une heure, c'est le temps d'avancer sur cette cinquième partie avec la République de Shinano, ma faction. À moi, alors l'épisode 4, on avait terminé sur une découverte qui allait probablement changer beaucoup de choses durant la partie. En effet, on a découvert une faction mineure qui avait un passif très 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 intéressant. Oula. C'est où déjà? Ouais, voilà. Hop. Vie de luxe, moins 20% coût de ressources de luxe par développement. Hein. Donc c'est. C'est parfait. En fait, c'est très bien parce que ça va nous permettre de passer rang 2. Ah, putain, à chaque fois, je me plante. Mais voilà. Rang 2 ici, puis rang 3 à moindre coût en utilisant des ressources voilà, qui sont intéressantes. Quoi, voilà, dont on va avoir besoin pour faire des jolies, des belles modernisations, qu'on ait beaucoup de. Voilà, beaucoup de passifs, surtout d'influence. Alors, c'est pas celui-ci, c'est celui-là, ouais, plutôt, d'influence. Parce que, voilà, on joue sur sa volonté de l'empereur. Bon, voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, on produit beaucoup d'influence. La loi ne nous en coûte que 270. Ça va, en vrai, ça va. Il y en a une supplémentaire qu'on pourra débloquer bientôt. On a gagné celle-ci avec le cap de population des Svali, je crois que c'est, de toute façon il n'y a que eux. Voilà, au ratio ça va pas tarder, ça serait bien qu'on commence un petit peu à SMer aussi avec eux. Enfin, qu'on continue le développement. D'accord, d'ailleurs, en faisant comme ça, on voit là où ça progresse. Donc il y en a zéro, pourquoi? Est-ce que c'est plein, c'est ça? Il reste une place, d'accord, ça c'est bien. Hop, je vais baisser un tout petit peu le son du jeu, augmenter un tout petit peu mon son. Voilà. Ok, ça on s'en fiche. Là il n'y a rien dessus, c'est pas normal. Ça. Bon, les bâtiments, ça c'est pas utile pour le moment. Si on sait pas non plus utile. Alors, en un tour on a ça et ça. Il y en a 4 et ça c'est bon. Ok. Alors Horatio, ouais, peut-être sur. Peut-être sur Idle. Mais. On va faire main d'œuvre, comme ça on va profiter des stériles. Voilà. Et voilà, ça sera. On va gagner beaucoup d'industrie comme ça. Gazar aussi, voilà, il y en a, faut envoyer du Horatio un peu là-bas, parce qu'on n'a pas beaucoup. 3 populations, mais on sait pas de quoi. On va continuer à en envoyer. Hein. Le SAT. Tac, voilà. On va alimenter celle-ci. L'IRA, c'est un petit peu loin, mais bon, c'est bien parti. Il n'y a aucune spécialisation. On va arranger ça tout de suite. Ça, on ne prend pas tout de suite. Ok. Ça. Voilà. Parfait. Pourquoi j'avais fait ça? On va arrêter de faire des aiguilles, ça ne sert à rien. Oui. Ouais, c'est pas hyper urgent ça non plus, ça va. D'accord, on va faire des vaisseaux plutôt pour maintenir une pression. Là, au prochain tour, ça sera à nous. Au prochain tour, ça sera à nous aussi.
Après, le prochain tour, il sera au bout de 27 tours, mais c'est pas grave. D'accord. Ils sont juste heureux. Donc ça, ça va pas faire plaisir, hein. Anomalie, elle ne me dérange pas pour le moment. Voilà, et ici on va faire partir lui là. Il est où? Qu'il puisse enfin dans le 4 tours, ouais, il est pas possible. Donc on peut pas y toucher. Faire envoyer une expédition par là-bas pour voir un petit peu ce qui se passe, explorer ça aussi. Enfin voilà, il y a des trucs à faire. Hein. On va insister un peu plus sur la branche de la du palier de science. Parce que nos vaisseaux ils ne vont pas assez vite. Et ça va me gonfler. Ça on va le prendre. Et traçage donc par feu. Ouais c'est sympa. Exploration lunaire, je crois pas qu'on en est. Ouais, ça faut le prendre aussi. Voilà, on va insister dessus. Non. Mais oui, bien sûr. Mais évidemment, mais c'est sûr, mais ça j'aurais dû le prendre aussi. Hop. Voilà, en 10 tours. Bon. En 10 tours, on peut avoir. On peut relancer l'exploration. Hein. Ça serait pas mal. On va essayer de choper les anomalies ici. Ah putain, c'est vrai qu'il faut une filiale. Il y en avait une ici, on peut en faire une autre. Hein. Primus. Je suis en train de dire, hein. 25% de leur système. Un truc qui me dérange, c'est que je comprends pas pourquoi le. De Primus, je peux pas créer une autre voie commerciale, c'est dommage. On va récupérer ces anomalies. On va l'envoyer ici, lui. Choper ce point aussi. Après, bon, c'est pas. Elles sont intéressantes, mais vraiment, par contre, elles sont petites. Hein. C'est dommage. Antares, ça pourrait être sympa aussi. Pff, voilà, l'OST, c'est. C'est. Hein, c'est spécial. Hein. C'est sympa, hein. Je trouve ça très sympa, mais par contre, c'est badant, quoi. Vraiment, y a un truc, hein. Surfeus. Après, voilà, il y a le système qui sert à rien, bon. Tranquille, hein. On va y aller tranquille. Antares, déjà, on va le choper. La vie, elle est toute cool dessus. Le piratage. Ouais, si. Peut-être aussi. Alors, on va faire ça. On va continuer à pirater les pirates, hein, ils adorent ça. On va leur voler des ressources. On peut accélérer un petit peu. Voilà. Allez, on passe au tout. Vous voyez, hein, sans forcer, voilà, on arrive à coller au premier, quoi. Sans forcer, tout seul, quoi, en inertie. Donc quand on va commencer à tout arrêter et commencer à fabriquer des vaisseaux, voilà, Arthurus et Deneb. Hein. Faut pas que j'oublie. Alors, déjà Deneb. Récupérer ça, on va récupérer ça. Ça on paye. Ça aussi.
On va attendre de voir ce qu'ils ont. On va choper ces planètes. On va récupérer ça. Si on peut payer ça. Alors, Deneb, c'est vous déjà? Mais alors. Elle est où Deneb? Allez là. Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire. Un truc très important. Alors, la modernisation. On colonise celle-là. Bon, celle-là, par contre, là, c'est chiant, c'est pas. Voilà, l'effet, il est sale, hein. On va envoyer les Horatio là-bas. Des Neb. Au moins un Svali pour profiter de leur bonus. Et. Et un Amibé. Voilà, comme ça il y en aura trois différents. De Placidus, on va envoyer un comme ça. Neb. De Temos, on va envoyer un vestige. Un comme ça. Deneb. On peut pas l'acheter, c'est dommage. C'est dommage, c'est pas grave. Ici, ils sont comment? Statique. Peut-être ça. Ça ne va pas servir à grand chose. Ça, par contre, c'est. Non, ça ne sert à rien. Je sais pas pourquoi ils le proposent. C'est pas grave. Ça pas utile pour le moment. Ça. Okay. Et on va construire un endroit pour faire une filiale aussi. Donc, elle va jusqu'à Lyra. Et pourquoi pas jusqu'à Justinium. Justium, pardon. En fait, cette tour, c'est pas possible. C'est trop. On va la payer. On va la payer. Sauf s'il y a un héros en vente. Non, ça va. On va la payer. Hein. C'est beaucoup trop utile. Ça va, hop, ça va arriver ici et on va gagner un petit peu plus de. Ah, c'est les Isho, putain, je l'avais pas fait gaffe. Bonjour, je vous salue. Salut à vous. Ah. Ah. Mais moi, je veux pas me battre, moi, je veux juste me barrer. Je m'en fiche. Voilà. Voilà, cette musique aussi. Est très très chouette. À niveau 7, ça. Là, hein. Il est aussi énorme, je crois. Hein. Il représente les scientistes, je crois, il me semble. Hein. Les écologistes. Il est aussi énorme, je crois. Ouais, voilà. D'ailleurs. C'est ouais voilà putain une technologie j'aurais une loi votable en plus hein. Deux si j'étais en démocratie mais bon. Ah ouais ça ah ouais c'est le gameplay volonté de l'enfer qui veut ça ok il me semble qu'il y avait un autre truc en industrie. Ok. Voilà, ça me fait plaisir. Ça, c'est bien, ça. C'est très bien, ça.
Taurus, évidemment, hein, c'était sûr que j'allais l'oublier celle-là. Celle-ci elle va être un petit peu plus compliquée par contre. J'ai pas l'intention d'en faire un cocon. Donc on va pas s'embêter, on va faire ça. On va les envoyer sur Taurus. Voilà. Taurus, on va construire par exemple des trucs pour qu'ils puissent se défendre, ça, parce que ça va être. Ça va être pris d'assaut. Il est bien là, il y a un endroit clé. Hein. Donc, Sturm aussi. Allez, on passe le tour. Attends, le notif. Ça commence, hein. Parfait. Ça, c'est chouette. Oui. Alors c'est sur où ça? Sur Primus. Ça c'est cool. Oui. Parfait, du Quadronix. Sur Deneb. Voilà. Voilà. Là. Ah, ça va influencer un petit peu les... Bon, c'est pas très grave. On va être amis avec eux, maintenant ils sont cordiales avec nous. La paix. Ah, ils ont pas envie, d'accord. Si tu veux. Ça. Lui, ça va être les dégâts, enfin, c'est notre gardien, quoi. Si à un endroit ça va pas du tout, il sera là. Le SAT. Si on peut le retirer, faut que ça va vite. On pourrait presque commencer à terraformer. Hein. Faire ça. Ça aussi, ça peut être utile. Juste comme ça valait un petit peu mieux. Voilà, 20 par planète, bon, pas énorme, mais. Vu qu'on a les 4, ça va booster un tout petit peu. C'est les terraformations qui nous coûte cher. Alors je me demandais pourquoi ça mettait autant de temps, mais c'est pour ça. Allez, on paye. On gagne le prochain tour. Alors il y a un truc qui va me faire plaisir. Il y a quelque chose qui va me faire plaisir, c'est ça. C'est vous. Regardez ça. On en produit 17. 17 par tour. Regardez ce que ça vaut. Voilà. Dire c'est fou. 4, c'est pas assez ça. 4 c'est que dalle. Il faut ça. On va pas gaspiller d'influence pour ça. Justium. C'est pas urgent. Lyra, ça en est où? 1500 pour ça, franchement. Non. On a déjà dépensé pour ça. Jazar, à mon avis, ça va pas tarder. On peut économiser pour Jazar aussi. Hein. Bien! Bien. On va enlever un petit peu de ce valis, il y en a un peu beaucoup.
Faut les envoyer sur Justium. Il n'y en a pas. Non, mais il y va déjà, c'est parfait. Il y a des vaisseaux qui arrivent. Ça, c'est les vaisseaux de. de nourriture, mais ouais, ça met 30 ans, mais c'est tout à fait normal parce que quand ils ont été lancés, ils ne connaissaient pas encore le. La nourriture. Donc, il y a celui-là qui arrive. Avec un Horatio, un Vestige, un Amibé. Ok. C'est très bien ça. Ah. On les connaît aussi. Infanterie dispersée, troupes au sol. Troupes d'infanterie pour les batailles au sol. Voilà, c'est, hein, c'est juste. C'est juste trop bien. On va arriver ici. On va récupérer. Ça. Oh là là là. C'est. Voilà, Rigel, c'est pareil, hein. Faut que ce soit à nous, hein. Ça, c'est des ressources qu'il nous faut, ça. Hein. Nous les faut. Hein. Faut attendre encore un tour. Okay. Je vais faire un petit tour là-bas. Ceux qui sont pas forcément en bonne santé. Allez, on passe le tour. On en fait des actions par tour, hein, c'est fou, hein. Ce jeu, finalement. Ok. Allez, on retourne dans cet écran. Paf, 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 paf. Voilà. Il a pris un niveau. Alors, du coup, il va partir en expédition, lui, dans peu de temps. Un Calgero qui a pris Caproc, c'est cool. Un autre Ucho, putain, ça c'est sympa. Il a pris un point. Les Ucho, c'est pareil, on va quand même les prendre avec nous. Essayer de les développer un peu plus. On va lui donner ça. Tu sais. Ah voilà, un Vestige qui produit, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ça. Quelques vaisseaux. Salut! On vous connaissait pas, les gars. Enchanté. Ils font quoi, eux? D'accord. Il nous les faut. C'est... Ils sont très très forts. Hein. C'est-à-dire, on peut avoir des passifs défensifs qui peuvent être très intéressants. Hein. Mandat supplémentaire. Ça, c'est sympa. Alors, ça, c'est une planète unique, par exemple. Les points sont révélés. Oh, putain, on verra ça plus tard. Hein. Allez, allez faire un tour en bas. Ah bah ils étaient là finalement toutes les les factions mineures. Donc il les cherchait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici là? Encore un tour. De tour, voilà, ça change. Okay.
20%. C'est pas grave. Ça viendra. Voilà. On a eux qui arrivent. On va les mettre là. Comme ça, si jamais, je dis bien si jamais, voilà, on n'arrive pas à les assimiler parce qu'ils sont. On n'est pas la nation souveraine. On les a, tant pis, on leur déclare à la guerre, on récupère. Il faut pas qu'ils nous échappent. Hein. Vestige. Oh! Un gardien. Mais c'est bizarre parce que les gardiens, normalement, on peut pas les. Mais je les ai trouvés où, eux? Ils viennent d'où? Ils étaient où? Qu'est-ce que... Je comprends pas, hein. Et elles viennent d'où, cette population? Ah, elle est là, d'accord. Ah, mais c'était une curiosité, d'accord, ok. D'accord, bon, bah, c'est cool, tant mieux. Alors, Primus compromis, ouais, on se fait attaquer, ouais, c'est pas grave. Toise. Conseillère primitive. Primitive, c'est-à-dire. Avoir une faction mineure. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Ouais, c'est sympa. Ça, c'est des United Empire, ça. Ça, c'est le United Empire. Ok. Les autres, ils ont quoi? Allez, Lumiris, c'est sympa aussi. Superviseur. Superviseur, c'est bien pour ça, hein, pour les ressources qu'ils gagnent. Ouais, c'est un combattant surtout. Avoir des chercheurs dans son équipe, c'est sympa aussi. Hein, en avoir beaucoup parce que ils peuvent envoyer déplacer des grandes flottes sur de grandes distances sans problème. Ouais, ça peut être sympa ça. Hein, 40% de revenus sur voie commerciale sur le système, oui. Enfin, 40%, il convertit le. Oui, ça peut être sympa. Ouais, mais les conseillers, c'est trop précieux quoi. C'est trop utile. C'est vraiment trop utile. J'ai hasard encore un tour. Ok. Alors voyons voir ça. Où est-ce qu'il y a. Où est-ce qu'il n'y a pas de héros? Essai, Bria, Thémos, Placidus. Allez, Placidus. Donc 3 points. 1, 2, 3. Approbation, on oubliera, ils sont pas contents. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est les planètes, ça. Voilà. Donc 45%. C'est chiant. C'est vraiment chiant. Donc, on va arranger ça. C'est un plafard direct en forêt, ça c'est sympa. Allez, on investit dedans, tant pis. Elle a pris deux niveaux, elle. Elles sont bizarres. Elles développent tellement vite, ça. Ok, on va pouvoir récupérer ça en plus. Alors, on va dire un petit peu plus. Je vais essayer de faire ça et je vais voir si ça racole avec les voies commerciales. Parce que ça, je sais pas trop comment faire en fait. Je sais pas trop comment ça fonctionne. En tout cas, ils sont extatiques, c'est plein, donc bon. Je vais faire ça.
Je vais m'aider. On va faire un truc facile. On va faire ça. Et ça. Ça en 3 tours c'est fait. Ça va booster ça. Donc. Voilà, ça peut être intéressant. Ça va aller un peu plus vite. Et The, il manque un truc, d'accord. On va faire ça tout de suite. Ouais, on va essayer de faire la filiale, mais je sais pas ce que ça va donner. Step, step, océanique, gaz. Ça, on l'a pas vu, on prend. Ça c'est cool, hein. Regardez tout ça là. Regardez-moi tout ça là. Alors je vais regarder mes systèmes qui sont pleins. Voilà. On va voir si je peux pas essayer de faire pop. Voilà. Très bien ça. On va les envoyer sur Yéna. Tour de ce système là il est plein. Placidus c'est vraiment pour vider quoi, hein, pour faire de la place pour les autres. C'était cette idée là hein, que j'avais. Voilà. Comme ça on va faire pop d'autres populations. Alors les Svali, on en a un petit peu trop maintenant. Ouais, ça c'est pas mal. Bria. On pourrait faire mieux là. Hein. Là on peut faire mieux. Hein. Voilà, un ami B. On va les envoyer sur Mizar. Là on est pas mal. On va essayer d'enlever un petit peu de Svali. Les envoyer sur. Pour les envoyer sur Jazar. Sur Lyra aussi. Lyra, ouais, ça va, elle est complètement. Elle est très très diversifiée, ça c'est sympa. Serfus aussi, ça serait sympa d'essayer de s'en servir pour enlever nos populations d'origine. Ouais voilà, putain on peut pas quoi. Cette faction est déjà liée à un empire, putain. On est obligé de leur déclarer la guerre, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Eh ben c'est parti. Voyons voir ce qu'ils ont. Ok. Prochain tour, on va leur déclarer la guerre. Je veux qu'il y ait un maximum de flotte ici. Très bien, la mousseline n'en avait pas. On va être obligé de leur déclarer la guerre, on n'a pas le choix. On va laisser s'enfoncer profondément.
Allez, on va pas attendre le prochain tour, on va le faire tout de suite. Ah, ça va. Donc on fait la tortue. Je sais pas si ça va passer, hein. Putain, ça va. Comment ça, il est pas affecté? Comment ça, il est pas affecté, lui? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, mais sur le SAT, mais pourquoi? C'est dommage. C'est pas ce que c'était prévu, ça. Enculé, ça veut dire, ouh, là, 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 ça commence à partir en sucette, là. Alors, toi, tu vas là. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Pourquoi ils sont pas contents? 84, oh là 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 là. Ah là 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 là, le carnage. Ok, j'ai compris. Et en plus, ça va pas s'arranger, parce qu'il y a la surpopulation, ok, hein. Harmonie. Allez, on paye ça. Ça va calmer, et après, comme ça, ils pourront continuer à... voilà, à se développer, mais sans que ça soit trop... On va essayer de faire ça. Ça. Ça, on peut le faire aussi. On a payé l'harmonie, voilà. Mais comme ça, au moins... Voilà, ils sont... ça, alors, ça, c'était pour l'urgence, hein. On peut pas laisser une planète mécontente, c'est pas possible. IRA 55. Voilà, c'est notre moteur, hein. Donc on peut pas laisser passer ça. Ouais, la terraformation, voilà, elle est terminée, mais c'est voilà, faut continuer encore parce que ça va poser problème, ça. Ça va nous poser problème. C'est pas juste satisfait. Satisfait, ça nous rapporte rien. Hein. C'est pas, ça m'intéresse pas. On va envoyer ça sur l'idèle. Ah, est-ce qu'ils sont déjà arrivés les Horatio? Ouais, parfait. Nickel ça. Tout se met en place. Il nous la faut absolument cette faction mineure. C'est beaucoup trop intéressant. C'est parfait. Batterie d'urgence, ouais. C'est pour toi maintenant. Eux aussi. Xenis. C'est les pirates, ça. On leur carte 2-3 trucs. Ça leur fera pas de mal. Voilà. Hop, hop, les chauds aussi. Jazar, c'est terminé. Nous aussi, paf. Voilà. Lui, il a pris un point, on va le mettre dedans. De la science, hein, ça ne fera pas de mal non plus. Voilà, tout, voilà, tous les tours, voilà, on en produit un de plus. Voilà, c'est ça, c'est très bien ça. Même si c'est un tout petit peu, c'est pas grave. Petit à petit, on commence à avoir un peu plus de... Voilà, ça va aller un peu mieux. Mais c'est long, hein, par contre, voilà. Alors, le gardien, on ne pourra jamais. Mais eux, voilà, il va falloir trouver une solution. On en trouvera une de solution. Voilà, on va récupérer tout ça déjà. Ça, on va le payer. Ça, on va le payer. Ça aussi, parce que les malus vont faire mal. L'amélioration niveau 1. Celle-là aussi. 4 tours, c'est pas grave. C'est pas un problème, ça.
Non, pas centre de filtrage, ça sert à rien. Donc il va y avoir deux planètes qui vont se débloquer dès le prochain tour. Voilà, et on va envoyer. Alors, on va éviter d'envoyer des Svali parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc comme ça. Nos ratios. Si j'en ai transféré un ici, il faut que j'en transfère un autre. On va en envoyer deux, quand même, hein. Sur celle-là. Ici. Hop, hop, hop. On récupère ça. Voilà. Ça va aller mieux. L'approbation, ça va aller mieux. Mais il faut juste que. Donc, tiens, on en est 15 sur 15. Dévoué, mais c'est. Voilà, c'est limite, quoi. Il y a quelque chose qui. Quelque chose qui va pas. Alors, Temos. Il y a l'harmonie qui arrive. En fait, il faut que ça soit toujours. Regardez, 30% de gold, 30% de science. Il faut toujours que ça soit dévoué. Sinon. Ça va ralentir. Dès quelque chose qui va pas, faut tomber dessus. Justium, ça va pas. Ça ira mieux avec les terraformations, mais c'est pas pour tout de suite. Est-ce qu'on peut pas mettre quelque chose pour sacrifier un truc, pour générer. Ouais, allez. De toute façon, les gardiens pourront rien en faire. 10 tours, c'est ça. D'accord. Monnaie du cœur, on va le faire en premier. On va récupérer ça. Justement, on va faire en sorte que ça soit un pôle commercial aussi, hein. Parce que c'est pas déjà fait d'ailleurs. On a besoin d'un siège. Il est pas en cours, c'est dommage. Allez, c'est pas mal. On va continuer. Faire la tortue. Victoire décisive. Allez, oust. Oust. Sang contre 70. Alors, on va faire un truc. Un truc très simple. Voilà, on tape à 20 par tour. Si j'engage le combat maintenant, ça risque de durer, hein. On va attendre peut-être un tour, hein. Toi, tu vas récupérer les anomalies. Faut pas qu'on s'arrête de faire ça. Hein. Ouais, l'adamantium, sympa. Une torpille un peu meilleure, de la brume. Voilà, une anomalie intéressante, de l'influence, de l'XP sur les vaisseaux. Ah, il y a des trucs à faire ici. Hein. La graine, toi, tu vas venir ici. Tu vas me prendre ce point-là. Hop. Avec des vaisseaux qui viennent de ici. Ça, si jamais on perd un Svali, c'est pas très grave. Surtout que c'est juste à côté. Du hasard, ça va faire du bien. Ah.
section de piratage. Huit tours. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça, il y en a partout. De l'autre brume. C'est... Ah oui, alors soit... Non, c'est tout l'Empire. Ouh. Ça. Objectif atteint, voilà. Tous les systèmes avec ça, soit des planètes stériles, sont rejoignés. C'est vous, la fortune vous sourit. Ouais. Alors, si on verra ça plus tard, hein. Brume, c'est pour nous. Bon, ça fait plaisir, hein. Ça fait vraiment plaisir. C'est pas très cher, par contre, hein. On produit 4, c'est pas assez, hein. On produit 20, c'est mieux. C'est vraiment mieux. Ça, on l'achète. Ça, on l'achète direct. Elle est à fond, Taurus, là. Elle ne servira pas à grand chose d'autre que ça. Hein. Faut pas s'affoler. Désolé, mec. Désolé. Ça, édénisation. Édénisation. Transformation en forêt. Transformation en forêt. Faut pas faire plus compliqué que ça. Hein. J'ai compris. C'est ça en fait qui va le. Si terraformation, il faut arranger le coup. Hein. Justium. Bon, les anomalies. On va essayer d'accélérer ça un petit peu quand même. Hein. Ok. Obligé de se refriter, quoi. Dommage. Victoire décisive. Allez, oust. Allez, on l'attaque. Il nous le faut, hein. Il nous le faut, ce système. Hein. Non, c'était quoi déjà? La Garia. Oh, j'ai fait regarder. Quel con. Égalité. Pas bon ça. Tu tournes ici toi. Non, c'était pas lui que je voulais attaquer. Non, c'est pas grave. Moi, il dégage. Ok. Ah, est-ce que nos chasseurs, on peut pas les renforcer un peu plus? Putain, ils vont vraiment pas loin. Hein. Dommage. C'est vraiment dommage, ça. Hein. Ça. Voir un petit peu ce qui se passe autour de nous. Le SAT, ça va pas. Faut arranger ça. Et Hostiz. Ah ben voilà, il arrive.
Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie Pokémon de Régénération. Ça va très bien, toi. Ça va très bien. On va passer ce tour. Voilà, on colle au... Putain de... Bras de... D'accord. J'ai pas compris, hein. J'ai pas tout compris. De l'autre brume, ok. La mercurite sur l'Ira. Sympa, ça. Pareil. Pareil. Mandibule, ouais, super. Traçage hostile, ouais, mais ça je sais, j'avais compris. Oui, on peut les améliorer encore. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Afficher le lieu. Ouais, c'est là. 4000. Faut qu'il se batte. Faut qu'il se batte au moins pour l'affaiblir. Si j'arrive. Hein. Grave défaite, ouais, je n'ai même pas cassé un. D'accord, il m'a explosé. Les forts prennent nos faibles, et nous sommes les forts. Allez, allez, il veut... ça commence, ça y est. Ah, de grève, ah d'accord. Ah, mais ça, c'est clair que... Quand on est directement concerné par les effets d'une grève, c'est chiant. Allez, il veut sa brume, allez, tiens, va t'acheter des bonbons, dégage. T'es content, voilà, il va me foutre la paix. Merci, nous apprécions votre offrande, t'es content, on se reverra plus tard, hein. On va se revoir plus tard, t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est noté. On s'en saouler là. On va prendre ça. Hop. Très bien ça. C'est parfait ça, regardez. C'est varié. Il y en a de partout. C'est nickel. C'est vraiment nickel. Bon, par contre, il me saoule en bas là. Tous les vaisseaux sont à jour, ça tombe très bien. Là, on va y envoyer notre pote là. Lui, son vaisseau est à jour normalement. Point de déplacement de flotte 3. Qu'est-ce que ça signifie? Appliquer modèle pouvoir 11. Ok, allez, il paraît qu'il y a un truc ici. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Il y avait quoi ici, du coup? Ouais. Fonderie Endless. 15% d'industrie sur niveau 6. D'accord. Non, c'est ça qu'il faut prendre, hein. Voilà, donc lui, il va partir. Il va partir par ici. On va aller explorer un petit peu ce qui se passe là-bas. Chez les verts foncés. Voilà, il va prendre un niveau, c'est parfait. Des artefacts, c'est cool. Quadrinix. Ça, des paillettes noires. Parfait. Deux niveaux, hein. Ça l'a fait du bien. Ça. On va voir ce qui se passe un petit peu par ici, puis par là. Alors il y a une bataille au sol. Guérilla toujours. Bonsoir. Enfin un FR qui stream le best jeu ever. Voilà. Bonsoir. Kaizak. Bonjour. Bonjour. Eh oui, le meilleur. Non, mais après, bon, c'est le meilleur. Moi, Endless Space 2, c'est. Oh là là. Ça fait un moment hein, que je le stream Endless Space 2. J'avais commencé avec le cœur ombral. Voilà, j'avais essayé la faction cœur ombral parce que je l'avais pas essayé.
Voilà, donc ça m'a fait du bien de le proposer en live. C'est ce que j'expliquais, alors c'était le let's play précédent, hein. Au tout début j'expliquais qu'en l'espace de jeu, je commence à arriver à 500 heures. Et voilà, et depuis que je le propose en live, voilà, le choix, ça m'avait permis de jouer des factions que j'ai pas l'habitude de jouer du tout. Et d'enrichir encore les connaissances du jeu, quoi. C'est très profond, très 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 profond. Un Space 2, faut pas, surtout pas le sous-estimer, hein. Parce que de base, enfin comme ça, c'est vrai qu'il a l'air, il est plus simple, hein, c'est plus simple que les Stellaris, les civilisations, ce genre de trucs. Mais voilà, il y a une profondeur. Il faut avoir envie d'aller dans le jeu, quoi. Je sais pas si il faut. Faut être motivé, quoi. Quand vous le faites, quand vous plus ça va vous rendre l'investissement que vous mettez dans le jeu. Voilà. Alors Keza qui nous dit, ouais, voilà, 550 heures perso. Voilà, et t'as que deux factions à ton palmarès. Alors ça veut dire que soit tu as fait des factions personnalisées un petit peu comme la mienne et du coup tu les as farmées, soit tu n'as joué que ces deux factions et voilà, c'est lesquelles tes factions à toi que tu joues. Peut-être que tu as joué celle que j'ai déjà proposé, mais bon. C'est cool aussi d'avoir des avis. Alors, des avis, parce que sur ce jeu-là, Endless Space 2, malheureusement, il part un peu il tombe dans l'oubli, en fait, ce jeu. C'est dommage, hein, parce qu'il a vraiment des très très bonnes idées. Alors ça, on va le terraformer tout de suite. Ça, c'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça. Ça va nous faire tomber le... Bon, là, ça va pour le moment, mais ça va nous faire tomber le buff, là. Donc c'est dommage, hein, franchement, non, non, non. Et alors, le problème, Kezak, c'est que j'étais sur la fin. Hein. J'allais... J'avais... Il y a Stikaos qui vient d'arriver, donc on va basculer sur Pokémon Réjuvénation. Mais voilà, en ce moment je stream du Endless Space 2, j'en ai encore plein sur ma chaîne. Il y a peut-être des factions que tu verras qui t'intéresseront. Voilà, moi dis-moi c'est quoi ta faction préférée. Et voilà, on en parlera ensemble. Hein. Alors l'Empire, d'accord, ouais. Empire et Isho, alors Isho, d'accord. Isho, eh ben Isho. Voilà, peut-être que je la proposerai. C'est une faction que je n'ai jamais joué, tu vois, par exemple. Celle-ci, ok. Moi, je... Faut que tu sois là, voilà. Parce que il faut me rassurer avec cette faction. Parce que je pense avoir compris la mécanique. Je pense avoir compris la mécanique. Mais alors, comment le jouer? Voilà, c'est un mélange entre les Vodjani et les Cravers, quoi. Voilà, c'est très... C'est très axé quête, ce genre de truc, basé sur les quêtes, parce que ça fait gagner une jauge de ki. Avec cette jauge de ki, on peut faire des actions, mais pour ça, pour remplir la jauge de ki, il faut faire des quêtes, il faut se battre avec des factions mineures, ce genre de truc, et ça fait avancer le gameplay comme ça. Un peu Vodjani, parce que voilà, ils ont un gameplay très, très spécifique. Hein. Les Vodjani, c'est des croisés, en fait, une espèce de croisés, ils se baladent comme ça dans la galaxie avec des grosses arches. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais les Isho, voilà, les Cravers, parce que c'est très agressif. Parce que vous êtes en permanence en train d'attaquer, de voilà, parce qu'il faut entretenir cette barre-là, parce que c'est juste votre gameplay, quoi. Voilà, moi en tout cas ma faction, hein, voilà, ça fait c'est le cinquième épisode déjà, hein, donc ça part très bien, quoi. Ça part vraiment très bien. Après il y a ce problème-là qu'il va falloir commencer à résoudre. On voit que au début j'étais là 86. C'est pas assez, hein. C'est pas assez. Il faut que ça soit à 100 en permanence. Il faut maintenir ce moteur, hein. Absolument. Il faut que ça continue à. Voilà, on voit que là, bon, là on a mis quelques pansements, hein, sur Deneb, Thanos, on a payé l'harmonie de cœur, mais en vrai, bon. Oui, c'est un peu l'idée. Avec ton ki, c'est Kaizak, hein, qui nous dit, hein. Ouais, c'est un peu l'idée. Avec ton ki, il y a un cycle de rituel. Ouais, voilà. Alors, en fait, c'est très stylé comme. C'est des mécaniques qui sont bien huilées. Ça m'étonne pas que t'aies passé du temps dessus, parce que pour le maîtriser parfaitement, faut. Le cœur ombral, c'est pareil. Hein. Le cœur ombral, voilà, c'est un peu particulier aussi. Mais le Isho, ouais, voilà. Donc, tu peux axer le jeu plus aggro, plus défensif. D'accord. Ok. Et. Plus défensif. Ouais, voilà. Mais ça, tu vois, ça, c'est des détails. L'avis de quelqu'un qui a joué avec les Isho, franchement, ça m'intéresserait. Hein. Ça m'intéresserait beaucoup. Il manque un truc là. Hop. Voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Bah, c'est Endless Space. Le problème, c'est que quand je me lance, j'arrive plus à m'arrêter. Hein. Donc, tour 90.
Je pense qu'on a terminé ce qu'on avait à faire sur ce tour-là. Je pense que... Ouais. L'harmonie de cœur va faire de... elle va faire franchement du bien. Écoute, frangin, un plaisir, je te laisse stream. En fond, j'ai encore du boulot. Force à toi. Merci. Force à toi aussi, Kaizak. Et bon courage dans ton travail. Je sais pas ce que tu fais, mais bon courage. En fond, bah, les streams, c'est très pratique pour ça. Alors ici, Justium, on a un problème. On a un problème, c'est que y a trop de population, de ma propre population. C'est trop. C'est trop, donc on va essayer de l'envoyer ailleurs. Ici, Taurus, on pourra pas. Voilà, je veux que ça se diversifie encore plus. Mais on a bien avancé par rapport à ça. Hein. On a bien avancé. Hein. Les amibes, il n'en reste plus que 10 et on aura leur loi. Il va tuer de ma carrelée, d'accord. Ça tombe bien, moi j'ai besoin d'un carreleur, donc je sais pas où t'es, mais ça m'intéresserait bien aussi. Voilà, bon, ça va mieux, ça va un petit peu mieux. Il faut continuer à diversifier encore, mais ça, mais regardez-moi ça, quoi, mes 20% d'influence, quoi, mais c'est juste exactement ce qu'il nous faut, quoi. Et puis évidemment ici, hein, le point chaud toujours. Faut qu'on continue à agresser ici, récupérer la planète, sauver ça là, voilà, moins 20% de luxe, ça c'est beaucoup trop important, et sauver aussi les populations qui sont dessus, je sais pas combien elles sont, il y a un scan, je crois, on peut le scanner ça ou pas, regardez un petit peu ce qu'il y a dessus, non on peut pas, c'est pas à nous donc on sait pas, encore c'est dommage, avec un infiltré on aura pu le savoir, enfin, bref, ce genre de mécanique, et voilà, capturer le point, récupérer le trait et récupérer les populations pour les envoyer, pourquoi pas commencer à développer ici ou alors les envoyer sur Justium, voilà. Mais ce point là, Mitanka, il faut le verrouiller, quoi, il faut le prendre, il faut le protéger en construisant des bâtiments parce qu'il va se faire, il est sur un point chaud, hein. Et ici c'est pareil, c'est une clé, on voit le trait d'hyperline, si l'ennemi arrive, il arrive directement par ici, donc c'est pareil, ce point là il faut le verrouiller, hein. Vraiment, faut pas que, voilà. Alors lui, il était ici en exploration. Et bien, prochain tour, là, on verra ailleurs. Voilà, on part sur deux axes. Un au nord, un plutôt vers le sud. Voilà, sud-ouest, explorer comme ça. Un petit peu, faire comme une serpe, en fait. Hein. Vous voyez qu'on fasse comme une serpe. Ça sera plus difficile à défendre parce que ça sera une ligne. D'accord. Mais au moins, on pourra partir et dans un sens et dans l'autre. Pour tout phagocyter, tout absorber, ça serait... voilà. Mais c'est, évidemment, c'est du tri late game. Hein. Bref. Et je m'arrête là. Stop. On va sauvegarder. Donc j'espère que ce let's play, ce cinquième épisode sur Endless Space 2, vous a plu. Bonjour à Silchaos qu'on retrouve tout de suite. Ils sont angoissés, c'est pas grave, on va arranger ça. À Silchaos qu'on va retrouver tout de suite là, dans quelques minutes sur Pokémon Réjuvénation. Merci à Kaizak aussi d'être passé. C'est vrai que ça fait plaisir de tomber sur les gens qui jouent à Endless Space 2. On a l'impression d'être seul quand on joue à ce jeu alors qu'il est fantastique. Mais voilà, comme quoi ça intéresse aussi des gens. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt pour un épisode sur Endless Space 2, le sixième épisode. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.